Le Haut-Folin, point culminant du massif du Morvan, du haut de ses 901 mètres, c'est l'endroit que j'ai décidé de choisir pour tenter de relever le défi de l'Everest. Alors pour fêter mes 500 abonnés sur ma chaîne YouTube, voici mon Everestie. Aujourd'hui, je suis au Haut-Folin pour faire le défi de l'Everest. J'ai le Haut-Folin monté de Saint-Prix jusqu'en haut. Donc c'est 10 km de montée. C'est pas très très dur hein, le Haut-Folin. Je l'avais monté une fois en entier il y a, je sais pas, 3-4 ans. C'était le tout premier vrai col que je faisais. Bon, c'est pas vraiment dur. Hein. Mais donc voilà, donc là on va tenter le défi de l'Everest. C'est la petite vidéo des 500 abonnés, donc voilà, c'est mon petit défi que je me lance. J'ai mon avis sur mes chances de réussite, hein. Mais là, on va bien. Je vais le monter le plus de fois possible déjà. Et donc là, voilà, bah, je commence, bon je suis pas en avance, c'est déjà 10 heures. Mais voilà, je monte ma première ascension de ce Haut-Folin. Allez, première montée faite. C'est un peu plus dur que prévu. Enfin, que prévu. C'est un peu plus dur que ce que je pensais parce que c'est pas la même route. Il n'y a que la fin où je reprends la même route que j'avais pris. Et la fin, pour le coup, elle est dure. Mais c'était pas la même route. Parce qu'il y a des routes partout sur le Haut-Folin. Donc voilà, donc là, c'est mon première montée faite. Je redescends et puis je remonte. Ah c'est bon, je suis en bas. Je suis dans la deuxième ascension. C'est reparti pour un tour. Allez, deuxième montée tchèque. Bon bah là il est déjà midi donc on va manger.
Mais j'en peux plus déjà. Je fais que deux montées, je suis déjà morte. C'est pas le Ventoux, hein. Mais ça reste quand même dur. Parce que en fait, un coup ça monte, un coup ça descend. Enfin, c'est le Morvan, quoi. Allez, ça y est, je suis de retour à Saint-Prix pour la troisième montée. Donc c'est parti. J'ai mangé. Mais bon, là, je suis pas en forme aujourd'hui. J'ai monté que deux fois, j'ai plus de jambes. Donc voilà. J'essaie de la monter encore deux, trois fois. Mais voilà, bon, je suis morte. Ben, voilà. Je monte là-haut, puis je vous retrouve là-haut. Et ça y est, j'ai fini ma troisième montée. Je n'en peux, mais alors clairement plus. Je vais la faire une dernière fois, histoire de pas abandonner juste parce que c'est dur, quoi. Non, moi je fais une dernière et puis après j'arrête. De toute façon, il est déjà 15h, il sera 16h quand je serai arrivé en haut. J'aurai pas le temps d'en faire beaucoup d'autres. Donc bah allez, je redescends et je remonte. Allez, ça y est, je suis en bas. Dernière montée. Allez, on va souffrir en silence. Et puis ce sera fini. Là il fait une chaleur. Pourtant on n'est pas tout en bas, hein. On est encore un peu en hauteur, mais
fait chaud chaud chaud. Heureusement, à partir du glu, il fait plus frais. Thank you.
Allez, c'est bon, je suis en haut pour la quatrième et dernière fois. Juste là, altitude 901 mètres. Oh mon dieu, j'ai tout mis ce qui me restait. Le peu qui me restait, j'ai tout mis à la fin de la dernière là. Une fois de plus, c'était pas possible. Mon dieu, et dire qu'il faut le faire 16 fois. Je l'ai fait 4 pour vous dire. Clairement, mon dieu. En tout cas, j'espère que ce petit défi pour mes 500 abonnés vous aura plu. Le prochain défi à 1000 abonnés. Donc lancez-moi vos défis, hein. Puis abonnez-vous surtout. Et puis likez, partagez, commentez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.